Salut tout le monde, ici SnakeToot de retour avec Resident Evil 4 Remake. Et lors du dernier épisode, on avait récupéré la clé de l'église. Et cette clé de l'église, maintenant, on va pouvoir justement l'utiliser pour, devinez quoi, ouvrir l'église. Alors, là, il y avait un tiroir verrouillé et justement, on avait une clé de tiroir. Et bien sûr, on va d'abord devoir affronter El Gigante. Je pense que ça va être l'épisode où on va se faire déglinguer par El Gigante. Oh, tu veux bien marrer, Léon? Qu'est-ce que tu fous? Oh là là, et t'es même pas bourré en plus. Ah ben, je veux pas savoir. La sobriété chez Léon S. Kennedy, c'est une suggestion. Bonjour. Comment allez-vous? On avait rien à lui vendre. On avait plus rien à lui vendre. Si. Ah. This is what I'm talking about. Cool. 3 spinels. Oh, on en a 7. Ah, juste à une. Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us. La lunette à longue distance, c'est pas mal. Ouais, on devrait prendre ça. On devrait acheter ça. You're trying to thread a needle with a bullet there, mate. Got a selection. Ouais, d'ailleurs, on va tout de suite... Donc ça, c'est la lunette normale. 2 niveaux de grossissement, mais là, c'est 3 niveaux de grossissement. Donc... Bam. Et l'autre, on peut le vendre, du coup, parce qu'on n'en a plus besoin. L'autre petit, là. La mini-lunette, on peut la vendre. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose d'intéressant? Pas acheter, non, mais on pourrait améliorer quelque chose. La capacité, hein, la capacité du... Putain, on l'a déjà amélioré à fond, quoi. Génial. La capacité du shotgun, mais c'est pas ce shotgun-là, hein. C'est pas le meilleur shotgun, on va en trouver un autre, donc honnêtement... Ouais, c'est bon. Alors, on va faire... C'est juste là-bas en dessous, en fait, l'espèce de petit truc qui était fermé, justement. Pourquoi se priver, hein? On a cette petite clé depuis un petit moment. Alors, quoi d'intéressant? Oh, montre à gousset. Est-ce qu'on peut la sertir de quelque chose? Non, et elle vaut 8000 pesetas, mais c'est très bon, ça. C'est très très bon. On va pouvoir peut-être se payer une petite truc en plus. Welcome. La montre à gousset. Thank you. Alors, modifier. Est-ce qu'on peut... On peut améliorer la puissance du couteau, hein, mais... If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Ou alors... La puissance du sniper. De toute façon, soit on peut récupérer l'argent... En fait, il faut vraiment pas se priver, parce qu'en vrai, on peut vendre les armes et récupérer tout le fric qu'on a mis dans les armes. Donc, en vrai, qu'est-ce qui nous en empêche? Alors, ouais, il faut aller à l'église. Il y a... Ok. Ouais, ça va être maintenant El Gigante, les gars, hein, vous vous en doutez bien. Je suis prêt. On est quand même armés comme des gros bâtards. On a plein de soins. Ça va le faire. D'où Jésus. Regardez, c'est ouvert ici maintenant. Bah voyons. Une herbe verte, de la ferraille, bonne mère. Oh là 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 là, le stress. Oh, punaise. Yeuh. Et alors, putain. Oh non. Shit. Wow, un prêtre. Ça, c'est nouveau. C'est eux qui libèrent le... Ah, merde.
Oh, il est moche. C'est un troll du Seigneur des Anneaux. Ah ouais, ça lui fait peau de zob, hein. Oh oh. Fais gaffe, Léon. Tourne autour, tourne autour. Oh oh. Oh oh. Lâche-moi. Au revoir, le couteau de cuisine. Tu m'étonnes, t'as vu le bestiau? Je crois qu'il est temps, les gars, de sortir. Yeah. Wow. Non, hey, j'ai fait cercle, hein. J'ai fait cercle. J'appuie sur cercle. Ça pue, les gars. Oh, comme ça pue. Je le regarde pas. Oh oh. Ah ouais, une maison carrément. Oh là là. Oh, it's that dog. Oh là là, l'entrée est encore plus stylée. C'est mon stand. It's that dog. The dog. Oh, dis donc. Vite. Non. N'importe quoi. Laisse le chien tranquille. Shit. Wow, putain, hé. Léon, t'es un vrai bonhomme, hein, parce que quelqu'un serait mort à ta place. Attendez ça là. Bouffe ton œuf, gros. Alors, on est dans la merde. Wow. Oh là là, il est incroyable ce truc. Oh, putain, le roleplay. Waouh, il nous aide vraiment. C'est pas une blague. Oh le con. Oh le con. Bouge de là. Mais j'ai fait cercle, hein, putain! Oh, ça m'énerve, à chaque fois je les rate, ces putains de QTE de merde. Ouais, faut que je me soigne, hein, on va mourir. Putain! Elles me font chier, ces QTE. Voilà. Merde, c'est pas possible. Oh, ça c'était beau. Voilà, cette fois, chope-le, voilà. De quoi il s'agit? Ah ok, d'accord, R2. Nique lui sa gueule à l'alien. Ah, il a une petite bouche dans sa bouche. Voilà, les grenades, il aime pas ça, on dirait. C'est bon, on l'a eu. C'est bon, je crois qu'il est mort. Oh, merci Dogo, t'es le meilleur. God damn. Il est déjà parti. Non, attendez. Okay. Let's get to that church. Il est où? Il est parti. Il a dit mon devoir a été accompli. Très bien. Wow. Très bien, ça. Ok, bah, je crois que c'est bon. On a fait le tour de la question.
Je veux faire un dernier pas de patte au chien, hein. J'espère qu'on pourra faire un dernier pas de patte au chien. Mais je l'entends. Mais il est où? Mais où est-ce qu'il est passé, toutou? Il est parti plus loin, vous croyez? Non, il est là! Oh, toutou! Le Thanks, plus Paul. Beau des toutous. Oh là là, mon copain. Incroyable. Le meilleur personnage de Resident Evil 4 Remake, les gars. Le meilleur. Alors... Bon, ça change rien, on va par là, ouais. Ah, il était cool, le combat, hein. Il a failli nous niquer plus d'une fois, hein. Enfoiré, ouais. Enflure. Il y avait pas un... Oh, il y a des trucs à récupérer ici, hein. Effectivement. Mais... C'est dans la petite cabane, hein, dans le petit cabanon. On va pas laisser une grenade. Elle est où, la grenade? Ah, elle est où? Je crois qu'elle est sur le toit, la grenade. Surtout qu'on en a usé deux, ici. Donc, elles sont les bienvenues. Ouais, tout à fait. Yep. Est-ce qu'on aurait raté un médaillon quelque part? Pas dans la zone, en tout cas, on dirait. On va enfin rencontrer Miss Ashley, hein, les gars, mine de rien, là. Oh, putain. Oh, putain. Putain, heureusement que le Red 9, c'est une arme de grand malade mental. Et tout simplement comme ça. Time is it? It's time to die! Putain, mais c'est quoi cette porte à la Dark Souls? On n'est pas dans un Orlando, hein. Oh, le petit hôtel. Oh! On va encore avoir l'énigme des lumières. Vas-y, recharge. Herbe verte. Oh, bah oui. Ah bah oui. Et on peut encore se faire... Non, pas de... Voilà. Alors, attendez... On devrait peut-être commencer à utiliser l'arbalète. Hein. C'est une idée comme ça. Il fait un peu trop calme, hein, dans cette église. Ça me plaît pas du tout. Bouton bleu, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, il faut réunir les boutons pour faire l'énigme de la lumière. Ouais, bleu, vert et rouge. RGB. Rouge, vert et bleu. Et pourquoi ça c'est... Oh, des carreaux, bah justement, ouais, j'en parlais que je devrais peut-être utiliser un peu Ah, on peut plus casser les vases. Oh, tristesse. Une petite clé pour une petite armoire. Ici, rien à faire. Vas-y, baisse. Ah, ben voilà, on l'a, le bouton bleu, justement. Ça va être plus compliqué que dans l'original, je le sens. Ouais. Oh, what the hell? Ouais, je crois que j'ai compris.
est compliqué, hein. Attendez. Il y a bien un truc qui doit nous donner un indice. Et ce truc qui doit nous donner l'indice, c'est la patte. Voilà. Très bien. La patte de l'insecte. Alors, maintenant qu'on a la patte de l'insecte... Il faut que ça complète un tout. Non. Quoique, c'est peut-être bien là. Hein. Ouais, je crois que c'est bon. Enfin, quoique en fait, non. Ah mais je suis vraiment con moi, c'est pas ça que je devais bouger, c'est pas le verre que je devais bouger. Ah non, pas du tout. Voilà. Ouais ça va, pas beaucoup plus compliqué que l'original en vrai. Ça passe. Ça passe. Putain, on va enfin rencontrer Ashley les gars, la Ashley remake. Mais j'y crois pas. J'en crois pas mes esgourdes, j'en crois pas mes yeux. Je n'en crois aucun de mes sens. Ashley, you in there? Vous êtes là, tu sais très bien qu'elle est plus jeune que toi. Hein. Tu es son senpai, Léon, tu peux la tutoyer. Tu en as le droit. Elle est peut-être par là, donc on va continuer d'explorer, attendez. Le seul truc que j'aime pas... avec l'arbalète, c'est que ça prend vraiment du temps à... Oh, c'est le portable d'Ashley. Oh! Sigma Gamma Phi. Ah ouais. Et l'Oméga, il est où? You cannot kill me. I am Omega. Ashley. Allez, vas-y. La rencontre. Ashley Graham, are you in here? Yay! Just let me go. Listen. Easy with that. Qu'est-ce que t'as cru? My name's Leon. Et je suis l'homme de tes rêves. The president's orders. I am Leon, man of love. That went well. Putain, plus courte la jupe, non? You need to listen to me. What is that? Over there? Oh putain. Waouh, on les entend. On peut entendre. On peut entendre sa gleur leur parler. Oh là là, incroyable. Comment ils sont sur leur tête. Est-ce qu'on entend les mêmes voix dans notre tête? Est-ce qu'on est en train de devenir BFF? Tenemos que irnos. Chapitre terminé, comment oses-tu? Résultat, pas mal. 77, hein. Chaque fois qu'on avance, on perd un tout petit peu de... Hein, on perd petit à petit... De la précision. Allez, next. Je veux niquer du villageois en colère. What do we do? On survit. Your father trusts me. We do stuff. And I need you to trust me too. Thanks. And do exactly as I say. I'm gonna get you home safe. Okay. Okay, Leon. Moi, je dis, on les chope par surprise. Follow me. All right. Let's get the hell out of here. Okay. Get the ladder. Vas-y. Entre okay. Nous. Ne regarde pas sous sa jupe, Léon. N'en profite pas. Il a regardé. Gros cochon. Ok, tu peux pas genre
T'aurais pu, Ashley... On va quand même pas sortir par là. Enfin, on aurait pu... mine adhésive. Oh, cool. Ah ouais, je crois que le jeu, il veut vraiment qu'on s'en serve. Oh, un raton. Petit raton. Ok. Est-ce qu'il y a un trésor par ici? On a raté un trésor, hein. Attendez. Comment je donne des ordres à Ashley? Hello to you. Hey, incroyable modèle, hein. J'adore sa nouvelle tenue. Elle va perdre la veste comme Léon a perdu sa veste. Et j'aime beaucoup aussi le petit détail qu'elle a mal aux yeux. Attendez. Parce que bon, on a quand même raté un trésor là. Paprika. Je veux mon trésor. Où est-il? Oui, je l'entends ce dandinet. Ah, j'y arrive pas. C'est trop juste. Si! Diamant jaune, avec plaisir. De toute façon, c'est scripté, hein, ils peuvent pas nous avoir. Oh oh! Oh. J'ai rien dit. Alors, on va devoir apprendre. Voilà. Allons-y, Ashley. On va faire péter des villageois. Oh, ça va être trop bien. No way. Ça bon, je te rattrape. It's okay, I've got you. Dépêche-toi, ils sont derrière toi. Hey, trust me. Écoute, soit tu sautes, soit c'est un Ganados qui te pousse. Putain, la puissance de Léon quand même, hein. Bon. Bah, on vient déjà de confirmer que... Bruce, elle ne sert à rien. Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Ouais, t'inquiète. Hurry. The weather is getting worse. Roost out. Oh shit. Ok, bah ouais, easy game, hein. On a un tout petit peu de chemin à faire, mais ça va encore. On va quand même aller au manoir pour choper le trésor, vous le savez très bien. Comme je l'ai dit, c'est dangereux. Stay close. Ok. Ordre Ashley, R3. Ok. Give me some space. Hey. Ok. On va essayer de la jouer fini. Un au moins. Putain, il prie tous en même temps, c'est hallucinant. Stick close. They're coming. Get behind me. Oh God! What is wrong with these people? Oh, excellent. Genre ça tue pas. Ouais, ouais. Oh putain, ils sont 18 000 et je sais très bien quoi faire. Give me a warning next time. Nope. Oh mais ça va pas ou quoi? You okay? Yeah. Mais ça va pas ou quoi? Putain. Voilà. Come on. Allez.
Putain, oh, c'est pas possible, hein. Chope le. Voilà. Moi, je voulais tout le fric. Bon, j'ai usé pas mal de... J'ai usé des balles, hein, mais on en a. Ça sert à ça. Vous m'excusez, mais... Vas-y, recharge avant de repartir. Voilà, ça les empêche de se transformer en Plagas. C'est bon ? Vous me gérez ? Ça va, on gère. Attache une mine. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs à récupérer ? Je crois pas. Est-ce que si je quitte l'arme et que je reviens, la mine est toujours attachée ? C'est très bien. Super. C'est ce que je voulais savoir. Wow ! Comment tu oses ? Vas-y, allume. Ah, poulet. Alors, ça gaze, ça grille. Tu vas me faire croire que t'es pas mort. Pas mal non plus. Attendez, hein, je vais. Faut que je récupère. Ici. Oh, de la grande ferraille. Il sera peut-être temps que je me fabrique une grenade aveuglante. Parce que ça sert. Ça sert et pas mal même. Ok. Continuons d'être méthodiques. Oh, mon pote le vendeur. Ok, it's all right. Ok. Allez, rapproche-toi. Stick close. Voilà. Ok. Copain. I've got some new items in stock. Oh, ça tombe bien. Come take a look. Well, foutre. I've got something new for you, mate. Oh, on n'a plus besoin. Pleasure doing business with you. Voilà. Qu'est-ce que t'as à vendre ? T'as rien à vendre ? You'll get some bang for your buck. I guarantee it. Got a selection of good things on sale, stranger. Your weapons are in good hands, mate. Ah, I'll 20 000. See right. On a pas assez. Non, c'est bon. Come pas besoin. Anytime. Besoin de rien. Oh, nouvelle quête secondaire ? J'ai besoin que quelqu'un nous débarrasse de ce chien sauvage qui rôde autour du village. Il est très facile à repérer, il ne ressemble pas à un chien normal. Éliminer la menace, manoir du chef du village. Bah ça tombe bien parce que on doit. C'est là qu'on va. Vas-y, sauvegarde vite. Alors. Le manoir, c'est. Ouais, faut qu'on passe par là et puis on passe par là. Ouais, vas-y, c'est cool. Hey, can we take a break? Non. Sorry, we need to keep moving. Got it. Sorry, ça va pas être possible. Hunnigan was right about the weather. Putain, ça va être blindé. Encore. Allez quoi. Non. On n'a pas un couteau de cuisine. Ouais voilà, parce que là on est en train d'user le couteau pour rien. On va plutôt ressortir de l'autre côté, hein. On va servir du tunnel. Putain, hey, il fait un temps de merde, hein. Qu'on la récupère. Ok, ça va. Oh oh. Toi, t'es dans la merde. Voilà. On va voir où ça nous mène. On va être nombreux, je pense.
Alors attendez. Ouais. Ouais, on va faire ça. Hein. Ou alors, on va d'abord aller récupérer ce machin là. Vous vous souvenez, il fallait absolument Ashley. Voilà, va m'ouvrir. Va m'ouvrir. Va m'ouvrir, mon petit cœur. Vas-y, vas-y. I need you to open it from the other side. Oh putain. Okay. Ah merde. Oh oh. Oh mais... Oh non. Oh non. Lève-toi. Thanks. Anytime. Voilà, voilà, c'était beau ça. Magnifique. Ouh là là. Quelle pression. Alors, on disait. Trésor. Encore un bracelet élégant. Mais celui-là, c'est avec des pierres rondes. Donc, on va mettre ça. On va mettre ça. Ouais. Ok, continuons. Je vais nettoyer le village en fait. Bye bye. Mal, hein. Pas mal les gars, pas mal du tout. Bon. Là, franchement, les effets de pluie là, ils sont excellents. Hein. Tout le monde se plaignait des effets de pluie. Alors. Don't leave me. Bah viens. Come on. No problem. Allez viens. Alors, on a dit... Chef du village, c'est derrière, par là. Ça pue du cul, mais il me faut absolument ce trésor. On va bien vers le bon endroit. Hein. Ouais. T'inquiète, ça va venir. Laisse-nous le temps. Ah ben, je m'attendais à un peu plus d'opposition. Vraiment. Alors, Ashley, besoin de toi. Hang on. Voilà. Allez. Bien aimable à vous. Le grenier du mal. C'est là où ils gardent les frères. Les frères siamois défigurés que la famille essaie de cacher. Tous les hommes ont laissé éclater leurs joints en voyant le bateau traverser le lac à toute allure. Ce liquide extraordinaire va grandement faciliter le travail des pêcheurs. La forge construite l'an dernier s'est elle aussi fondue dans le paysage. Nos fossiers et nos couteaux brillent comme jamais. Les deux poissons d'eau douce que nous avons reçus récemment mangent de tout et se sont vite reproduits. L'élevage de poissons dans le marais se passe également à merveille. Pendant la journée, j'enseigne l'écriture et le calcul aux enfants. Chaque soir, je dîne avec une famille
pour entendre leurs problèmes et les derniers ragots, le tout sous le toit de cette maison que nous avons construite depuis que j'ai ouvert le village sur l'extérieur. Nous prospérons et les gens sont plus heureux. Des sourires ont même commencé à apparaître sur leurs visages. Un étrange groupe de personnes en robe noire est venu du château et a hissé un drapeau inquiétant avec un symbole ressemblant à une araignée. Putain, c'est le journal du Big Cheese de Mendez. Après avoir prêché le salut et le pardon, ils nous ont injecté quelque chose qui, d'après eux, nous guérira de la folie. Peut-on leur faire confiance? Absolument pas. Veille sur ce village à ma place et que des sourires éclatent à chacune de tes photos. Ok, éclaire chacune de tes photos. Putain, c'était le père de Mendez. Incroyable. Incroyable cette zone. La forge tant attendue, 1992. Meurs, enfoiré. Il y a quoi ici? Encore un journal? L'ancien m'a confié le village aujourd'hui, il m'a dit que je pourrais apprendre mes tâches au fur et à mesure. Je vais commencer par tenir les chroniques du village. Je ne suis pas encore à l'aise avec l'écriture, mais l'ancien m'a encouragé à continuer. Je vais faire de mon mieux. Il y a un jeune garçon qui vit avec son grand-père dans la cabane au bord du lac, Louis. Sa mère a, semble-t-il, rejoint les cieux juste après lui avoir donné naissance. Contrairement à son taciturne de grand-père, c'est un garçon plutôt bavard et plein d'entrain. Aujourd'hui encore, il m'a raconté l'histoire d'un chevalier juché sur un âne. Pancho Villa. Le grand-père du petit garçon est tombé malade et son état s'aggrave de jour en jour. Son petit-fils est très inquiet, d'autant qu'il se murmure parmi les villageois que le vieil homme serait atteint d'une forme de folie. Alors que je prenais congé, le vieil homme m'a pris à part et m'a dit « Si quelque chose arrive, tu sais quoi faire ». Je n'ai pu que hocher de la tête en réponse. C'était une horrible nuit, tout le monde se tenait autour de la cabane, elle la regardait partir en fumée. Le garçon observait la scène sans dire un mot, sans bouger d'un pouce. Même une fois l'aube venue, le jour suivant, il n'était plus là. Louis a fui. Appareil photo ancien, hier. Yeah. La famille Navarro, 1981. Waouh! Bon, ben on va terminer l'épisode d'aujourd'hui ici. Merci tout le monde de m'avoir suivi. C'était Sneak Toot avec Resident Evil 4 Remake et de l'ail et plein de bonnes choses bien naturelles. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de Léon et la petite Ashley d'amour. Et je vous fais à tous des gros bisous. Ciao!